Salut à tous, aujourd'hui je vais tailler ce petit Lonicera nitida. Alors pour le tailler, je vais commencer par la base, parce qu'il a fait un rejet à la base là. Donc je vais le prendre à la base, le rejet. Voilà, normalement je l'ai eu à la base là où c'est blanc. Après, je vais faire une taille assez drastique sur la plus grande branche. Le but, c'est de faire une forme ombrelle parasol, comme les arbres dans la savane. Donc, à regarder comme ça, je vais déjà tailler à ce niveau-là. Voilà. Là, tu as déjà tout ça. Hop. Donc, après, la suite. J'imagine que je peux retirer. Non, je partirai celle-ci. Bon, déjà, on va toutes les tailler en longueur. Celles qui vont carrément en bas, on les coupe à ras aussi. On va les couper à ras. Ça sert à rien de garder des choses inutiles pour la suite. Hop. Donc voilà. On coupe celle aussi qui pousse par-dessus. On raccourcit tout. Hop. Donc après, qu'est-ce que je pourrais sélectionner comme branche? Celle-ci, elle part en bas. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Donc voilà. Après, je vais carrément revenir encore plus court. Et vraiment revenir sur la base pour que la petite branche rattrape la grande qui est plus vieille. C'est un petit arbre qui a 1 an et demi, ouais. Continue à tailler encore plus court. On se rapproche vraiment du tronc. Celle-ci aussi. Voilà. Celle-ci, je pense que je vais peut-être la laisser tiger, je sais pas. On va les bouter quand même un petit peu, moins que les autres. Voilà. Pour l'autre branche, pas spécialement, si, juste celle-ci qui part en bas. Donc inutile toujours. Voilà. Après, pour la suite, c'est bon. Celle-ci, hop. Voilà. Bon, c'est fini pour cette petite taille de ce petit Elonicera d'1 an et demi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager. Et à la prochaine vidéo.